Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Les cheveux font n'importe quoi. Et comme d'hab, ben, je commence en vous disant que j'ai les carreaux dégueulasses. Donc, ce sont c'est plusieurs petits hauls. C'est principalement des produits que j'ai achetés pour avoir les frais de port gratuits, sur les commandes que j'ai fait pour... les swaps et le concours de Noël. Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, mais voilà. Je suis en no make-up puisque juste après, je vais tourner le crash test des produits du haul et que j'ai reçu de Marie, ceci. Voilà. Donc, on va commencer par... Alors, on va commencer par AliExpress. J'ai que deux petits vernis à vous montrer. J'ai reçu d'autres choses, mais je vous les ai montrées principalement en vlog. J'ai pris deux vernis Your Sugar, un rose pétant et un vert pétant. Voilà, tout simplement. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous montre le rose. Voilà, ils sont pas bien chers et j'aime beaucoup cette qualité. C'est des petits formats de 7,5 mL et c'est largement suffisant pour tout ça. Voilà. Ensuite, chez Beauty Bay, j'ai acheté la nouvelle palette Edge of Opulence. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, ainsi que le lien de la vidéo, puisque je vous ai fait le swatch de make-up dès que je l'ai reçu. Et voilà, j'en suis redingue. Après, c'est une qualité de fard que j'adore. Je crois que vous commencez à le savoir. Et voilà, je suis très contente de ce petit achat. Donc maintenant, je vais pouvoir la ranger et j'espère pouvoir vite la réutiliser. Parce qu'avec tous les swatchs et make-up de Maryse, j'ai un peu de mal à utiliser mes palettes classiques. On va passer chez Revolution. Alors, je vous montre juste la paire de fossiles. Parce qu'il y a le coffret qui est juste ici au-dessus. J'avais acheté le coffret là à 30 balles pour la Flawless, qui est réservée. Je l'ai déjà revendu. Je vous mets pareil la vidéo en barre d'infos. Je crois que vous avez compris maintenant à quel point je suis déçue des Flawless. C'est plus pareil qu'avant. Voilà, tout simplement. Et dans tout le coffret, tout ce que j'ai gardé, c'est la paire de fossiles. Voilà, donc ça me revient à 30 balles la paire de fossiles et la boîte en métal qui me sert juste de déco. Ça fait un peu chéro, hein. Donc je ne vous conseille pas du tout. Par contre, les fossiles sont magnifiques. Mais vous verrez que j'en ai acheté une autre paire de Révolution également et qu'elles sont, ils sont tout aussi beaux et que vous payerez beaucoup moins cher. Toujours chez Révolution, j'avais aussi commandé les deux palettes d'Halloween. Donc pareil, vous avez les swatches de make-up en barre d'infos. Voilà, pour l'instant je les garde parce que, alors déjà j'adore les packaging, hein, on va pas se voiler la face. Celle-ci, je suis pas sûre de la garder par contre, alors que c'est le packaging que je préfère. Mais je préfère la Friends et je vous ai comparé un peu les deux. Donc celle-ci, je pense que je vais pas la garder en fait. Je pense pas que je vais la garder. Je vais réfléchir encore un peu, mais je pense pas que je vais la garder. Par contre, celle-ci, je la garde parce que pour les smoky, voilà, vous connaissez mon obsession pour les smoky, elle est quand même pas mal. Vous avez le fard noir pour mettre en base de smoky. Vous avez du taupe gris ou du violet pour faire le creux pour estomper. Et tous les lumineux pour mettre par-dessus le smoky, enfin le fard noir pour faire un smoky à effet. Donc, je pense que celle-ci, je vais pouvoir m'en servir, que je vais certainement m'en servir. Après, la mustave, pour moi, pour les smoky, vous le savez, c'est l'enchantide, mais celle-ci a l'air pas mal. Où il n'y a qu'un truc pour moi, il y a encore chez Odden Eyes, je me suis commandé un highlighter. Alors, ça fait un peu cher, l'highlighter. Ah, vous ne voyez pas le packaging de loin, mais il est magnifique. Mais voilà, j'ai craqué dessus. Comme j'ai fait une commande pour le swap pour les filles, voilà, je le dis, parce qu'elles vont aller commander. Hein. J'ai déjà dû dire à Manon, non, surtout, tu ne commandes pas. Donc, c'est le... Mesmerizer Spring of Life, c'est un format de 5 grammes et voilà, et tout simplement il est dans les teintes bleues. Donc il y a une petite opercule de protection que moi je vais mettre à la poubelle de suite et on va enfin pouvoir le swatcher. Mais regardez-moi la beauté de la chose, il est magnifique. Ouh, ouh, oh, les reflets. Ouh, celui-là, je vais l'aimer. Ouh, je crois que je vais l'adorer. Oh my god. Il est bleu, il y a des petites paillettes roses dedans. Il est canon. Oh, vous voyez la lumière? Oh là 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 là. Ouh, ça, je vais bien l'aimer. Donc, on va le tester vendredi dans le crash test.
Voilà pour ça. Alors, ensuite, j'ai commandé... On va passer à Boozy Shop. Alors, attendez, je ne sais plus ce que j'ai commandé chez Boozy Shop. Il y a ça, il y a ça. J'ai eu ça en cadeau. Il y a ça. Ah, chez Révolution aussi, j'ai commandé ceci. Les filles, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère que... Je ne l'ai pas mis en wishlist, hein, donc j'avais le droit. Voilà, c'est un coffret de chez XX. J'ai oublié de vous montrer. Je ne l'ai même pas swatché rien encore. Donc, c'est le Satin Liquid Lip Kit en teinte Sequel. Et voilà, ils ont fait le crayon avec le rouge à lèvres. Je trouvais ça sympa. Pareil, il fallait que j'arrondisse les patchs. Les fossiles, je les ai... Ah, bah non, les fossiles, je les ai pris chez eux aussi. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Je croyais que je les avais commandés sur Maki Beauty, mais non. Donc, vous avez le Define Lip Liner qui se présente comme ça, format carré. Et le packaging, le rouge à lèvres qui se présente comme ça. Donc, on va pouvoir les swatcher au fil. Ouh, la mine est super fine. J'adore la couleur. Le crayon, j'adore la couleur, en tout cas. Il sent le caramel. Oh, j'aime bien la couleur. Donc, ça, pareil, ça ira dans le crash test de vendredi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couleur. Et j'ai pris une paire de fossiles parce que je les ai trouvés trop beaux. C'est les seaux extra de la collection d'Halloween. Ils sont canons. Mais magnifiques. La boîte fait très que la Cali. Ils sont trop, 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 trop beaux. Alors, c'est extrêmement long, hein. Forcément, c'est des fossiles que je peux absolument pas garder. Mais voilà, pour les looks un peu Halloween et tout ça, ça va être l'enfer. Alors, chez Boozy Shop, j'ai vraiment pas commandé grand-chose, vraiment pour les frais de port gratuits. Il me fallait une colle à fossiles. J'ai regardé pour la Duo, qui était à 7,90€. Et j'ai trouvé celle-ci, la Quintarzy, qui était à 6,90€, je crois. Donc, elle était 1€ moins chère. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tester celle-là. Je prends toujours une colle en tube quand je dois coller beaucoup de strass ou des accessoires ou bah, tout simplement pour faire mon rehaussement de cils. Voilà, j'utilise ça. Donc, on testera. J'ai repris finalement le Flip and Grip. Donc, c'est le liner adhésif pour les fossiles. Parce que ben, justement, quand je veux coller ce genre de fossiles que je ne vais pas garder, ben, c'est quand même bien pratique plutôt que de jouer avec la colle, attendre que ça sèche et tout ça, tout ça. Donc, voilà. Et puis, ça s'enlève beaucoup plus facilement aussi, vu que je les enlève directement après le make-up. Hein, les dramatiques, je ne peux pas les laisser derrière mes carreaux. Donc, j'ai repris ça et je me suis dit que j'en aurais bien l'utilité. Et vraiment, pour terminer, pour avoir les frais de port gratuits, je me suis pris The Big Glam. Donc, celui-là, j'ai déjà testé avec vous en vidéo. Bah, quand j'ai fait le swatch and make-up de la Flawless, là. Donc, vous l'avez en barre d'infos. Donc, je pensais que c'était un baume à lèvres que je pourrais utiliser pour nettoyer mes lèvres quand je fais mon make-up. Et en fait, c'est un rouge à lèvres métallique. Mais il est très beau. Donc, franchement, je n'étais pas déçue. Voilà. Je le trouve très joli. Et c'est essence. Donc, c'est quand même de la qualité pour le prix. Et en plus, il était en solde à 1,95€, je crois. Donc, je ne me suis pas ruinée. Et en cadeau, j'ai eu le Multi Acid Exfoliating Serum, donc avec de l'acide glycolique, de l'acide hyaluronique et du fruit mix ACB en 30 ml. Donc, c'est pas un petit cadeau. Voilà, moi, j'ai mis en wishlist celui exprès pour les taches pigmentaires parce que, comme bon, là, vous les voyez bien normalement, hein, comme j'ai pas de make-up et avec les éclairages, vous les voyez plus qu'au naturel. Et voilà. Je l'ai utilisé quelques fois, c'est hyper liquide. Hein. C'est de l'eau à l'intérieur. Je l'aime bien, je ne pense pas que je le rachèterai par après, mais je trouve que c'était un très beau cadeau et que ça change un peu de des fossiles ou des pinceaux, parce que j'en ai une flopée. Et on va finir donc avec Maki Beauty. Hop là. Donc Maki Beauty, j'y suis passée par deux commandes. Il y en a une que j'ai fait livrer à la maison parce que c'était vraiment pas cher. Mais du coup, les frais de port étaient à 9,95€, je crois. Oui, pour faire livrer en Belgique, c'est la misère. Hein. C'est hyper cher. Et j'avais commandé, si vous me suivez sur mes vlogs, vous le savez déjà, j'avais commandé ceci parce que je pensais que c'était des colos de chez Révolution, vertes. Comme Amy m'avait fait découvrir
dans un swap et que j'avais adoré comme les petits flacons et je pensais que c'était la même chose. Mais en fait, c'est de la cire coiffante verte. Donc, j'en avais commandé 5 parce qu'elle était en promo et du coup, bah, je vous en ai mis un dans chaque lot des concours de Noël. J'en ai gardé un, j'en ai mis un en vente sur Vinted et j'en ai mis un dans le concours, pour le prochain concours, parce que je ne sais pas quoi en faire, j'ai pas besoin de... J'utilise déjà pas de produits coiffants pour mes cheveux, donc j'utilise plein de produits dans mes cheveux, mais pas de la cire ou du gel ou de la laque et tout ça. Mais je pense qu'on va la tester pour un des make-up d'Halloween de la semaine prochaine, donc la semaine d'après pour vous, je ne sais plus. Du coup, j'en avais profité pour me reprendre deux colos Crazy Color. Je les adore. Là, c'est une Crazy Color que j'ai fait aussi. Bon, vous voyez pas trop l'effet, mais ça fait un bon soin dans les cheveux et j'aime beaucoup les teintes. Là, j'ai pris le Peacock Blue que je ferai pour Noyal. Et j'ai pris le Emerald Green qu'on fera, je sais pas quand. Mais je ne fais pas à chaque fois que je fais une colo. Hein. Je refais que mes racines. Et une fois de temps en temps, je fais ça pour faire un bon soin et les teinter un petit peu. On voit juste au soleil, en fait, les reflets. Hein. Là, j'ai des reflets bleus, mais ils sont juste au soleil. Et j'en avais également profité pour acheter ceci. Donc, c'est un rouge à lèvres de chez W7, le Velvet Luxe en teinte Shameless. J'en ai pris deux. Enfin, j'en ai pris un pour moi, j'en ai pris deux pour les filles et j'en ai pris deux pour les lots des concours parce qu'ils étaient à 10 centimes. Voilà, donc je me suis dit, à ce prix-là, ça fait un produit de plus, quoi. Donc voilà la teinte, c'est un rose, hein. Très, 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 très rose. Mais il est très joli, et pour 10 centimes, j'ai envie de vous dire, voilà, quoi. Il ne me plaît pas, c'est une de mes nièces qu'il aura. Alors, pour la première commande, j'en ai profité pour me reprendre quelques petits produits. Alors, je me suis pris un backup et j'en ai pris deux pour vous aussi, pour mettre dans le lot du concours de Noël obligé. Le lip mask à la fraise de chez W7, j'adore ce lip mask. Le mien est presque terminé. J'ai su au café de chez Révolution à terminer avant de rentamer celui-là, mais il me fallait un backup pour être sûr parce que je mets ça le soir avant d'aller me coucher et le lendemain matin, j'en ai encore sur la bouche. J'ai les lèvres super hydratées, super... super quoi, voilà, et en plus il sent bon. J'en ai profité pour me prendre un backup du plumper au collagène de chez Essence. C'est mon plumper préféré, il n'y a pas de doute. C'est exactement le même effet que celui de chez Charlotte Tilbury, franchement, pour beaucoup moins cher et en format raisin, donc beaucoup plus pratique à utiliser. Donc j'ai pris un backup également parce que voilà, hein, vous connaissez mon obsession des plumpers et du backup. Ça je vous montrerai en dernier. Je me suis repris une crème hydratante et là je me suis dit que j'allais tester celle-ci parce qu'elle m'intéressait, voilà, tout simplement, elle était pas chère, de chez IN, donc c'est une marque que je ne connais pas, j'ai déjà entendu parler. Je me demande si je vais pas un peu regarder, parce qu'ils font du make-up aussi, pour commander tout, pour faire un crash test complet, parce qu'ils ont l'air d'avoir des bons produits pour pas cher. Donc c'est la Silk Protein Hydro Manil 24 heures. C'est une crème hydratante. Je ne sais pas lire, c'est au coton, je crois. Il y a de l'huile de macadamia, des pantoles. Donc ça hydrate et ça raffermit la peau. Je positionne. En format 50 ml. Donc voilà. C'est la prochaine que je vais utiliser. Et je l'ai sentie. Elle sent super bon. Oui, elles sont super bonnes. J'adore l'odeur. Donc, c'est la prochaine que je vais utiliser. Je me suis repris un contour des yeux de chez Revuel. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Petit prix. Alors, attention, tout ce qui est crème hydratante et compagnie sentent souvent très fort le parfum d'homme. Ce qui n'est pas le cas pour les contours des yeux. Hein. Les contours des yeux ne sont pas censés être parfumés. Si vous en avez des parfumés, jetez-les tout de suite. Donc là, c'est au collagène expert multi-active, triple action. Donc, hydratation, instant lift. Effect et qui recrée l'élasticité de la peau. Format, normalement c'est 25 ml. Et voilà, c'est aussi le prochain que je vais utiliser. J'ai presque fini le hydratant que m'avait envoyé José, celui de chez Tony Moly avec la petite baleine. Donc voilà le flacon, c'est un flacon souple, ça c'est vraiment pratique et c'est une pipette comme ceci. Voilà. Je me suis pris une huile pour les cheveux de la marque Kellos Air Beauty Oil. C'est pas écrit en français. Hein. Il n'y a jamais rien d'écrit en français chez eux. C'est ça qui est chiant.
Attendez, parce qu'il y a plein de langues, mais pas le français. C'est un format 50 ml. Franchement, pour 2,49€, j'ai envie de vous dire, je me suis pas ruinée. Enfin bref, c'est une huile pour les cheveux, quoi. Voilà. Ça aussi, vous connaissez mon obsession pour les huiles pour les cheveux. J'avais du mal à en trouver. Maintenant, on m'en a donné deux. Là, pour l'instant, j'utilise la glisse pure que j'aime beaucoup. Et c'est, bon, le packaging est un peu space, hein. Quand j'ai ouvert, je me suis dit, oh tiens, un jouet pour adulte. Mais voilà, c'est la prochaine que j'utiliserai également. Je crois que je vais la tester pour me recommander du backup si jamais elle est bien. Parce que franchement, 2,49€, ça fait vraiment pas cher. Et le dernier produit que je me suis acheté, après il reste deux cadeaux. En fait, je vous ai commandé deux bronzers. Oh, ma tête, ça va pas du tout, ma chérie. Bless you! Attendez, c'est pas fini. Ouf, je vous ai commandé deux bronzers Nabla pour mettre dans le colis du concours. C'était vraiment le produit que j'avais le plus envie de vous mettre. Parce que je suis vraiment tombée en amour de ce bronzer. Et je ne sais plus s'il fallait un certain montant ou s'il fallait un certain nombre de produits de la marque pour avoir le cadeau. Donc du coup, pour avoir le cadeau, j'ai commandé le pinceau highlighter. Voilà, tout simplement. Il est plus que basique, hein, mais... Voilà, moi j'adore l'highlighter, donc j'adore les pinceaux highlighter. On le testera, pareil, dans le crash test. Et en cadeau, au départ, je voulais le cadeau pour vous mettre de côté pour le concours des 10 ans de la chaîne, mais finalement, je le garde pour moi, peut-être pour l'instant, on verra. C'est un highlighter de chez Nabla, quand même, donc c'est une valeur de 18,50€. Et la teinte, ça, c'est Crown. Voilà pourquoi je le garde. Comprenez. Hein, il est trop beau, c'est un doré. Alors, je ne suis pas fana des dorés, mais voilà, le pan est magnifique. J'ai le nez qui coule. Hein. Et c'est un highlighter doré, mais doré clair. Je ne sais pas comment expliquer. J'aime bien. Franchement, il est ici. Voilà, je verrai bien, je vais le tester. Si j'aime pas, je le mettrai sur Vinted ou je le donnerai à une des filles quand on se verra. Et le dernier cadeau, j'ai eu le Ultra Contour Foundation Pinceau de chez Révolution. Alors, attendez, il faut que je me bouche. Pour moi, c'est pas du tout le genre de pinceau que j'utilise, c'est en triangle comme ça. Voilà, ça, je vous le mets de côté pour le prochain concours, puisque j'en ai qu'un, donc je peux pas le mettre à Noël. Mais voilà, je trouve que c'est des beaux cadeaux entre l'highlighter Nabla et ça, c'est des beaux cadeaux. Donc voilà pour mon haul. Alors il y a d'autres petits achats que j'ai fait, hein, mais je vous les ai montrés principalement dans mes vlogs. Là je regroupe juste pour ceux qui ne regardent pas les vlogs. Il y a ma veste des iguales et ma jupe que ma mère m'a offert dans la partie brocante. Il y a eu plusieurs achats AliExpress que j'ai reçus, que je vous ai montrés. Là, je vous ai juste montré les vernis parce que ça fait partie de la beauté, mais j'ai reçu toutes mes couronnes et tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, voilà tous mes petits achats. Ça fait déjà pas mal, hein, juste pour les frais de port gratuits. Hein. Oui, une obsession des frais de port gratuits, je crois que vous commencez à le savoir aussi. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas fait. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits qui vous intéressent ou que vous avez déjà testé. Et de toute façon, on se retrouve vendredi pour le crash test de tout ça. Et demain, de toute façon, avec un swatch et make-up, comme d'habitude pour l'instant. Voilà, donc en attendant demain, moi je vous dis bisous.